On pensera au karaté et puis on arrivera peut-être au fur et à mesure à faire du karaté. J'en sais rien, on va voir. Mais c'est toujours du karaté. Hein. Allez, tranquillement, on prend une position dans laquelle on se sent bien. Vous vous rappelez hein, ces histoires d'équilibre. Quand j'ai les talons collés, je peux bouger très facilement, mais je suis en déséquilibre. Si je suis trop large, je bouge moins facilement, mais je suis plus stabilisé. Trouvez la position qui vous convient, où vous vous sentez bien, en capacité à vous déplacer sans aucun problème, et en même temps à être relativement stable. Si on vient pousser, on est relativement stable. On pense toujours bien à nos trois appuis sous les pieds, tranquille. Donc n'hésitez pas à chercher où sont vos appuis, là, 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 là. On s'amuse, on cherche tout ça. On repositionne le corps. On essaye de voir où se situe la tête, est-ce qu'elle est penchée, est-ce qu'elle est dans l'alignement de la colonne, est-ce qu'on peut imaginer qu'elle est tirée par un petit fil qui est accroché au plafond. Enfin bref, on essaye de trouver une situation dans laquelle on se sent bien. Est-ce que mes épaules sont parties devant, parties sur l'arrière, juste posées? J'ai mis le Marcel exprès pour qu'on voit un peu plus mes épaules, parce qu'on va travailler un peu sur ces notions-là ce soir. Voilà, tranquille. Et une fois qu'on est bien, eh bien, on se fait un tout petit mouvement de bassin vers l'arrière et vers l'avant, avec le corps totalement linéaire, c'est-à-dire que j'ai vraiment un segment qui part de ma cheville jusqu'au sommet de mon crâne, et ça bouge vers l'avant, et ça bouge vers l'arrière. Et vous vous rappelez les principes, hein, la respiration, le sentiment musculaire qu'on peut ressentir quand on va trop sur l'avant, on a les muscles du dos qui vont se crisper. En tout cas, tous les postérieurs se crispent pour ramener. Quand on va trop sur l'arrière, ça va être les muscles antérieurs qui vont nous ramener en équilibre. Et puis, j'ai une situation entre les deux. Je suis dans une forme d'équilibre, mais en mouvement, où je suis bien, jusqu'à ce que je sente petit à petit qu'il y a uniquement un mouvement au niveau de mes chevilles et le reste du corps suit. Tranquille, tranquille. Tranquille. Ça va être un cours lent ce soir. J'ai besoin de lenteur. Sentez si vos épaules se relâchent petit à petit, si vos mains ont tendance à se décrisper. Le fait d'être concentré sur un seul mouvement, sur une seule sensation, c'est-à-dire celle de mes chevilles, devrait pouvoir permettre aux muscles du corps de reprendre une tonicité, qui est une tonicité un peu plus, non pas naturelle, mais comme s'il y avait une sorte de norme à la tonicité. Il n'y a pas besoin que ça soit trop tonique, ni pas assez. Le fait de se concentrer comme ça sur un simple point, de conserver un mouvement simple pendant un certain temps, permet à au système neuromusculaire de se renormaliser. Vous pouvez avoir les yeux ouverts, les yeux fermés, peu importe. Si vous sentez plus de choses, les yeux fermés, fermez les yeux. Et pensez bien à votre souffle. Inspiration sur l'arrière, expiration sur l'avant. Jusqu'à ce que vous ayez le sentiment que c'est votre inspiration, quand vous commencez à inspirer, c'est elle qui fait que le corps part vers l'arrière. Quand vous commencez à expirer, c'est le fait d'expirer qui vous ramène le corps sur l'avant. Donc on essaye d'imaginer, même si c'est faux, que c'est le souffle qui crée le mouvement. Et on remonte un peu tout et on repose tranquillement. Et on remonte un peu tout et on repose. On remonte un peu et repose.
Remonte, inspire, repose, expire. Remonte, inspire, repose, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On lâche devant tranquillement. On fléchit bien les genoux et on remonte tout doucement. Inspire, expire. On lâche devant tranquillement. Et on remonte tout doucement. Inspire, monte, expire, ça tombe, tout descend et on remonte tranquillement. Ok, on se fait le même exercice simplement. On exerce maintenant une légère bascule de la droite et sur la gauche. Donc j'essaie de conserver pareil une sorte d'alignement dans ma structure de corps ici. Je ne vais pas garder le bassin droit et basculer ici. Je vais essayer de complètement avoir une structure rectiligne ici, mais basculer à droite et à gauche, comme si ma tête était liée à un rail ici, au sommet de la cam, et qu'elle suit ce mouvement-là. Okay? Donc là, vous allez sentir qu'il va y avoir nécessairement un mouvement de vos fémurs dans votre bassin, très différent de tout à l'heure. Et on va juste s'amuser à ça quelques instants. Et pareil, on prend le temps. Tout doux. Pas la peine de faire de grands mouvements, juste sentir. Ça travaille aussi au niveau de vos chevilles, effectivement, les filles sont sollicitées, mais en plus, il y a une sollicitation du bassin et des fémurs dans le bassin. Donc, il y a deux zones ici qui travaillent un peu plus que les autres, d'un point de vue articulaire, cheville, bassin fémur. Vous devez sentir aussi nécessairement que si vous voulez vous sentir bien, vos genoux ne peuvent pas rester complètement en extension, complètement tendus. Sinon, ça va créer un truc bizarre. Les genoux sont légèrement souples. Hop. Et tout doucement, on laisse faire. Il n'y a pas de notion de bien faire ou mal faire. Dans ce type de choses, vous faites, puis c'est tout. Vous voyez ce qui se passe, pas plus. Essayez de sentir vraiment vos fémurs dans votre bassin. Et voyez à quel point on peut essayer de percevoir l'articulation fémur-bassin. Doucement, doucement. Et on repose tranquillement, marchez un tout petit peu pour voir quelle structure ça donnait à votre marche. Marchez un tout petit peu. Et on va se mélanger nos deux mouvements, c'est-à-dire que je vais à la fois aller sur une bascule sur l'avant, sur une bascule sur l'arrière et bascule droite, bascule gauche sous forme d'un cercle. Sous forme d'un cercle. Mes pieds ne bougent pas et ma tête, le sommet de mon crâne en revanche, va faire un cercle. Comme si j'avais un stylo planté au niveau du crâne et ce stylo, il fait un cercle dans mon plafond. Si vous veniez chez moi, vous allez voir, j'ai un plafond qui est plein de graffitis, c'est terrible. Donc tranquille, tout doucement, petit cercle. Sentez si vos jambes sont trop ouvertes, on peut les resserrer un peu. C'est même mieux. Moi, je suis mieux là. Et on fait un cercle. J'insiste, hein. Faites un cercle avec la tête. C'est votre tête qui dessine un cercle. Et elle est posée au sommet d'un segment qui est constitué de tous vos autres os. Et ce segment, il reste droit, comme tout segment. Et les mêmes sensations. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Là, vous devriez sentir qu'on a rajouté au niveau de notre bassin et de notre fémur un mouvement un peu différent. Parce qu'on est en train de mélanger deux directions. On a pris des directions linéaires et on les transforme en un cercle. Prends du linéaire, on en fait du circulaire. Un côté, quand vous avez envie, vous partez sur l'autre côté.
Et ce soir, on va être sur ces notions-là. Partir du cercle pour aller vers le linéaire et partir du linéaire pour aller sur le cercle. Donc là, on est bien d'accord, hein. Ma tête est en train de bouger par rapport à ma pièce, mais c'est comme si elle était au bout d'un segment qui est relié au sol entre mes deux pieds. D'accord? C'est pas ma tête qui tourne, hein. On est OK. Clair pour tout le monde. Hop. Et on relâche tranquillement. Marchez un petit peu. Voyez comment sont vos bras, comment vous êtes, comment vous vous sentez. Et on continue sur ce type de travail. Encore un tout petit peu. À plusieurs reprises, Sensei fait travailler pendant sa préparation corporelle une chose où il vous dit ici, tout petit cercle avec le bassin. On va s'amuser simplement à ça, mais en essayant de penser à tout ce qu'on a fait avant. Je m'explique. Le dernier mouvement qu'on vient de faire, cette rotation de la tête, ici, fait que mon bassin bouge sur mes fémurs. Okay. Je sens ici et là les choses qui se passent, ça roule dessus. Ben, on essaye d'avoir cette sensation-là, la même sensation, mais cette fois-ci en conservant la tête immobile par rapport à la pièce. Donc, même sensation, s'il vous plaît, au niveau de votre bassin et de vos fémurs, mais cette fois-ci, sans que la tête ne bouge. Et donc, si on pense vraiment à cette sensation qu'on a eue, ben, on arrive exactement à ce que demande Sensei. C'est-à-dire ça. Tout petit mouvement. Essayez de sentir ce petit mouvement ici correspond à ce grand mouvement-là. Lorsque la tête bouge, c'est la même chose, sauf que là, ma tête ne bouge pas. Et donc, c'est mon bassin qui s'amuse à tourner sur les fémurs. Ou inversement, je peux imaginer que c'est mes fémurs qui poussent à l'intérieur de mon bassin. Ok, tranquille. Donc, j'essaye de le faire rapidement parce qu'il sent. Mais si vous ne sentez pas, faites-le doucement. Mais vraiment, je veux que vous ayez la même sensation que quand vous étiez sur ce grand mouvement circulaire ici. Même sensation que dans ce grand mouvement circulaire, sauf qu'on est concentré uniquement ici. Comme on est concentré uniquement ici, on a le sentiment que même si on fait le mouvement à la même vitesse, ici ça devient beaucoup plus rapide, parce que j'ai moins de distance à parcourir. Donc ma perception nerveuse est la même, sauf que je pense, enfin je vais plus vite, parce que j'ai moins de distance à parcourir. Un côté et l'autre côté tranquillement. Pam, pam. Là, j'insiste hein, sur le fait que la tête ne bouge pas. Donc, le bas de ma colonne bouge très légèrement, il suit le bassin. Voilà. Et on relâche tout doucement. Une fois que Sensei a travaillé cette petite chose-là, il part très souvent sur un travail de bassin ici, avec la tête pareille qui ne bouge pas trop. Ben là, on va changer complètement la chose. On va rester sur cette rotation du bassin. Mais cette fois-ci, on va tourner en imaginant que quand le bassin tourne, le haut de la colonne reste droit sur le bassin et tourne en même temps. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure quand on était ici. Sauf que dans ce cadre-là, quand je suis ici, là j'ai une ligne qui est en train de tourner ici, alors que maintenant, j'ai juste une ligne ici et là, et cette main ici, ce bras-là, pardon, ce bras-là, c'est mon bassin, lui, il est en train de faire des cercles. Ça va? Donc, mon bassin fait des cercles, vers l'avant, vers l'arrière, à droite, à gauche, ma colonne est plantée dessus, et donc ma tête fait aussi un cercle, et qui va avoir un diamètre plus petit que celui de mon bassin, si je les projette tous les deux sur le plafond. Je suis clair, oui, ça va.
Hop. 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 Prenez le temps, sentez bien. Vos genoux sont souples, hein, nécessairement. L'articulation des genoux est souple. Et sentez. Là. Hop. 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 Petit cercle. Et on part de l'autre côté. Le bassin reste droit, hein. Il est vraiment en train de rouler. Ici, tranquille. Et la tête est toujours et les épaules toujours positionnées sur le bassin. Là, je garde une structure de haut de corps. Et pareil, on relâche tranquillement. Relâchez. Relâchez, amusez-vous. Ah, détendez. Tranquillement. Ça va pour tout le monde, c'est pas trop chiant. Vous pouvez couper si vous voulez, hein. Ok. Ah. On reste sur la même idée de cercle avec le bassin. Cette fois-ci, on va s'amuser à avoir la main droite, par exemple, que je vais simplement poser devant mon nombril, ici. Enfin, mon nombril est là, oui. Je pose la main droite ici, tranquillement, et je vais ne pas bouger l'articulation de mon bras sur mon épaule ici, et je vais simplement bouger le bassin. Okay? Donc, je fais le même exercice, sauf qu'au lieu d'avoir mes mains ici, là, j'ai ma main ici. Et je bouge le bassin tranquillement. Et là, on se rend compte qu'on a à la fois le cercle du bassin, le cercle de la tête, mais aussi la main qui réalise un cercle. Puisque ma main est complètement liée ici à mon bassin, et elle fait exactement le même mouvement que mon bassin. Mon coude ne bouge pas pour l'instant. Mon coude ne bouge pas. Rien ne bouge ici. Simplement, le bas du corps et le reste qui suit. Vous voyez où je veux en venir, hein? Non, si. Si, si. Si, si, tranquille. 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 Hop là. Et on s'amuse à faire quelque chose de fluide. Hop. 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 Et on ne bouge pas l'épaule, hein. On ne bouge pas l'épaule. Ah, et on sent. Vous pouvez vous amuser petit à petit à imaginer qu'il y a une projection de la paume de votre main sur le sol. Imaginez le cercle que ça fait au sol ou au plafond. Prenez des points de repère. Donc la main bouge par rapport à la pièce, elle ne bouge pas par rapport à mon corps. Enfin, j'espère. On continue le mouvement tranquillement. On garde la main droite posée. Tout doucement, on relâche le bras. On va faire la même chose, repositionner la main droite, mais cette fois-ci, on va tourner le bassin dans l'autre sens. Okay? Donc, même chose, j'ai toujours la même structure, j'ai un mouvement de rotation au niveau de ma main, si je projette sur le sol, j'ai la rotation de ma tête sur le plafond, j'ai mon bassin qui est en rotation, j'ai mon coude ici qui, comme il est accroché à l'épaule, est en rotation aussi. Donc j'ai toute une structure de corps qui est en rotation. Et je m'amuse à ça, à sentir ces notions-là. Et surtout à ne pas bouger ce bras. Il reste accroché à mon corps. Hein? 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 Ça roule? Bien. Là, j'ai deux possibilités. Je ne sais pas laquelle choisir. Je vais en choisir une, on va voir ce que ça va donner. L'idée, c'est savoir si je repars sur le bras gauche ou si je reste sur le bras droit. Je vais rester sur le bras droit et on va s'amuser à la chose suivante. On refait exactement le même mouvement avec mon bassin qui tourne dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Le bassin dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Okay. Sentez la main qui bouge par rapport à l'espace. Et à un moment donné,
Vous continuez le mouvement de la main en bougeant plus le bassin. Si je fais bouger la main sans faire bouger le bassin, nécessairement mon coude bouge et j'ai un mouvement au niveau de mon épaule. Oui, je raconte que des choses toutes connes, hein, je sais, mais c'est le principe. Et de temps en temps, on repart avec le mouvement du bassin et donc on n'a plus besoin de bouger l'épaule ni le coude. Et vous jouez à ça. Pas tout con, mais on va en avoir besoin pour faire de l'oshiro. Et de temps en temps, j'arrête le mouvement du bassin. En revanche, le mouvement de la main continue. Et ça donne ça. Et ma main, pour l'instant, elle est bien horizontale. Je ne pense pas à karaté. Je n'ai pas besoin de penser blocage. Bien horizontal. Et je rajoute le mouvement. Donc, je ne bouge plus la main par rapport au corps. J'arrête le mouvement et je continue le mouvement de ma main. Je flotte, hein, je flotte. Je suis tranquille. Ma main fait un cercle. Tranquillement. Je peux accélérer le cercle. Je n'ai pas de force particulière. Je peux faire plus rapide. Je n'ai pas de force particulière. Ma main fait un cercle, c'est tout ce qui se passe. Ma main fait un cercle. Plus je vais accélérer, plus je vais sentir les muscles de mon dos qui vont travailler. Mon épaule ici, elle ne monte pas, elle ne bouge pas, elle est positionnée. Donc ça va travailler derrière dans mes trapèzes. Et hop, je tourne, j'essaie de rester avec ma main à l'horizontale, sur la même ligne, tranquillement. Petit cercle, et de temps en temps, j'agrandis un peu mon cercle. De temps en temps, j'agrandis un peu mon cercle. J'agrandis un peu mon cercle. Et je repars sur un petit cercle, mais toujours dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Et tout d'un coup, je reprends ma structure et je repars avec mon bassin. Et on repose. Et je repars avec le bassin dans l'autre sens, la main qui ne bouge pas cette fois-ci, dans le sens des aiguilles d'une montre. Sens des aiguilles d'une montre. Et tout d'un coup, j'arrête de bouger le bassin, mais en revanche, je continue à laisser à la main son mouvement. Exactement le même cercle, le même diamètre que tout à l'heure, quand je bougeais le bassin. Donc là, c'est un petit cercle, puisque mon bassin faisait un petit mouvement. Quelque chose de tout petit. En fait, c'est fou parce que je sais pas si vous vous regardez ou pas, mais quand on se regarde, enfin quand je me regarde, là je sens que j'ai un petit cercle. Quand j'arrête de bouger le bassin, je pense que j'ai un petit cercle, mais en fait mon cercle est beaucoup plus grand. Donc il y a vraiment des choses intéressantes en termes de perception. Là, je suis en train de faire un mouvement beaucoup trop grand par rapport à celui que je faisais avec le bassin. Là, je pense que c'est plus. En fait, c'est tout petit. C'est fou. Et je repasse tranquillement. Hop. J'arrête le bassin et cette fois-ci, je m'amuse à faire des cercles de plus en plus grands avec mon bras, toujours à l'horizontale, dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop, 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 je peux aller plus loin sur mes cercles. J'essaye de voir ce qui se passe au niveau de mon dos quand j'ouvre derrière. Hop, 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 hop. On continue à faire du grand et vous devriez sentir, enfin, même si vous me regardez, vous devez le voir. Que quand je suis sur la main là, vers l'extrême droite, j'ai mon bras gauche qui bouge. Ça veut dire qu'en réalité, j'ai mon bassin ici qui tourne. Très légèrement, mais il tourne. Donc le fait de faire un grand cercle ici, ben, j'ai une zone de blocage au niveau du dos, et donc ça va faire tourner mon bassin. D'accord? Et on s'amuse à ça. Hop, petit cercle, le bassin n'a pas besoin de bouger. Je peux travailler qu'au niveau de mon épaule. Mais si j'agrandis un petit peu, là je suis encore plus sur l'épaule. Et si je continue à grandir un peu, je sens que j'ai besoin du mouvement du bassin. Pour continuer mes cercles, alors qu'ils ne sont plus vraiment des cercles, parce que c'est un truc un peu bâtard maintenant, mais vous voyez l'idée. Hop. Hop. Et c'est pareil, si je veux aller loin devant, le bassin tourne dans l'autre sens. Vous sentez? Pam, pam, pam. Et si je raccourcis, j'ai plus besoin du bassin. Et si j'arrête, je peux reprendre mon mouvement de bassin. Mais là, avec un bassin qui est en mouvement de cercle, alors que tout à l'heure,
mon bassin était, quand je fais ici, ce que j'appellerais une rotation. Et il restait sur son centre, mais il allait tourner. Rotation ici, et là, cercle. Ça va pour le principe? Est-ce que tout le monde voit ce que je raconte ou pas? Dites-moi. Hein. Ça vous paraît clair? Pas de réponse, bonne réponse. On part sur le côté gauche. Ça va, ouais? C'est clair, c'est clair, c'est C'est clair, clair, c'est clair, clair, clair. coucou. Ok. On continue. On se fait le côté gauche. On se fait le côté gauche. Alors, on part sur le même principe. Hein, c'est-à-dire que on va être sur notre idée pour l'instant. Deux mains gauches posées, paume vers le sol. Au niveau du nombril, enfin là où vous voulez, mais c'est histoire de ne pas mettre de structure forte dans le corps, tranquillement là, on est bien. Et puis on se fait notre, ce que fait Sensei souvent, ce petit mouvement de bassin, sauf qu'on va l'agrandir un peu. Et donc on agrandit tranquillement, ici, ici. Et donc ma main est en train de faire un cercle, mon coude est en train de faire un cercle. Mais rien ne bouge par rapport à mon corps en termes de référentiel. Tranquillement. Alors, vous pouvez remarquer aussi, hein, vous amuser à des choses comme ça, à percevoir. Est-ce que je suis en train de garder ma tête immobile ici et tourner là? Je pourrais faire des trucs comme ça, ou là, hop. Non, hein, la tête reste droite sur le bassin. Je garde toujours ma structure ici sur le bassin. Donc, je navigue à droite et à gauche au niveau de ma tête. Et vous jouez à ça jusqu'à ce que ça devienne fluide, fluide au niveau de votre mouvement de corps. Vos chevilles, vos genoux, fémur, bassin, fluide, 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 et on part dans l'autre sens. Fluide, 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 tranquille. La main ne bouge pas par rapport au bras. Les bassins qui bougent. Je sais pas si on a fait l'autre sens. Je le refais un petit peu, tant pis. Je me souviens plus. Je sais plus où j'en suis. Je m'endors. Mais c'est pas grave, je suis bien. Tranquille. Ah. Oups là. Oups. 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 Oups, on joue, hein. On joue. Hop là. On peut accélérer, on peut changer de côté. Hop. Hop. Ouh là là, le bras bouge trop là. Hop, hop, je perds de la structure. Hop, ma tête bouge pas comme il faut. Hop, hop, on ramène. Et relâche tranquillement et on se fait le même exercice. Cette fois-ci, on va de temps en temps libérer la main quand on aura immobilisé le bassin. On est en Ekodachi tranquillement. Enfin, Ekodachi, la position qui vous paraît la plus agréable pour vous. Hein. Ça peut être un peu plus court qu'un Ekodachi. Si là où vous êtes bien, vous pouvez vraiment sentir vos fémurs dans votre bassin. Et je reprends ma main gauche, tranquille ici, et je reprends mon petit mouvement, hop, je vais prendre dans le sens de l'aiguille d'une montre, et puis tout d'un coup, je vais laisser ma main continuer le mouvement, mais sans bouger le bassin. Et je sens ça, mon corps est capable de faire des trucs comme ça. Fantastique. Ouf. En même temps, c'est un cercle un peu bizarre. Et je remets un petit coup de bassin sans bouger le bras. Je pars dans l'autre sens. Hop, 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 je pars dans l'autre sens. Et à un moment donné, j'arrête le mouvement de bassin, mais je continue le mouvement de bras. Tranquille. Je reste sur le petit cercle, hein, c'est-à-dire celui qui correspondrait au mouvement de mon bassin. Même si j'ai l'impression que je le fais un peu trop grand, ce n'est pas gênant. On est tranquille ici. Il y a de la présence dans vos doigts, hein, ce n'est pas mort, hein, c'est présent. Hein. Pas parce que ça ne bouge pas que ce n'est pas présent. Il y a de la présence.
Tranquillou, 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 tranquillou. Et on se repose tout doucement. Non, j'ai iTunes qui me parle, mais iTunes, je ne veux pas que tu me parles, donc je te coupe. Voilà. On se fait toujours avec notre bras gauche le même principe. Petit à petit, on va agrandir la circonférence, le diamètre ou le rayon de nos cercles. On revient un peu au même, on ne touche pas la pi. Avec le même principe, hein, on est tranquillement ici, pam 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 pam, petit mouvement bassin qui fait bouger ma main, le corps bouge, le dos reste planté dans le bassin, il est bien droit, et petit à petit j'arrête de bouger le bassin, je continue mes cercles, et cette fois-ci je peux agrandir mes cercles petit à petit, j'agrandis mes cercles, je vois que je peux les agrandir sans modifier la structure de mon dos ni de mon bassin, et quand j'agrandis un peu plus, ouh là là, je vais commencer à avoir des mouvements au niveau de mon omoplate beaucoup plus amples. Elle va partir derrière. Et si elle part trop derrière, le bassin va vouloir tourner aussi pour pas que ça tire trop sur mon corps. Donc naturellement, si je ne mets pas de tension, le bassin va venir tourner quand je fais mon cercle ici. Et inversement, quand je fais un grand cercle vers l'avant, le bassin ici, pour pas que j'ai à tirer comme une brute là, ben, il va vouloir tourner. Hein, l'idée étant toujours qu'on travaille avec le minimum de contraintes musculaires dans le corps. Et vous laissez faire tranquillement. Et vraiment, c'est un travail de perception, hein, c'est à vous de sentir quand est-ce que le bassin bouge, quand est-ce que la main bouge, quand est-ce que le bassin bouge. Est-ce que si je refais plus petit, ça bouge encore? Non, c'est bon, là je peux travailler. Là je peux travailler qu'avec mon haut de corps. Je suis bien. Mais si j'agrandis encore un peu, oups, ça commence à vouloir bouger. Et je laisse bouger. J'essaye d'avoir ma main horizontale. Je ne pars pas dans tous les sens. Ma main reste horizontale. Je frotte le sol tranquillement. Et là, je sens le bassin qui vient tourner. Et normalement, si on fait ça convenablement, c'est quelque chose d'intéressant. Enfin, je ne sais pas si vous le ressentez ou pas. Mais vous savez, quand on fait notre préparation corporelle type Okinawa, enfin, classique, on est en Ekodachi ici et on laisse tourner le bassin. Vous voyez cette notion de laisser tourner le bassin. Et extrêmement souvent, quand on fait ça, on a du mal, on part sur le côté, ou on bouge le haut des épaules, ou on bouge des choses comme ça. Il me semble, vous me direz ce que vous en pensez, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'avec l'approche qu'on fait là au niveau des mains, on sent vraiment le bassin qui reste centré. Là, je suis tourné exactement comme dans l'échauffement, mais je n'ai pas basculé, je ne peux pas. C'est mon corps, c'est ma main. Hop, ça fait tourner le bassin et je reste stabilisé ici parce que j'ai de la présence dans ma main. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, je réalise un mouvement de bassin qui correspond exactement à celui qu'on veut pendant l'échauffement. C'est-à-dire, mon centre de gravité reste bien au centre. Je ne sais pas si vous le vivez comme ça ou pas, mais moi, ça m'intéresse. Il y a Etunes qui m'enquiquine. Excusez-moi, je suis désolé, j'ai des messages tout le temps. Ok? Ça va pour tout le monde. Donc, je vous propose maintenant la chose suivante. On se prend 1 minute chacun, on fait absolument ce qu'on veut, on reste sur ces principes-là. Je veux dire par là que vous travaillez main droite, main gauche. Donc, je vais quand même le montrer un peu. Mais je me dis la chose suivante. Tiens, maintenant, je mets 2 mains devant. Hop, je travaille mon bassin sans aiguille d'une montre. Oula, oula. Donc, je me rends compte que j'ai une main, ma main droite, qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et ma main gauche, elle, qui fait un cercle, ben, exactement pareil, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Jusque-là, il n'y a pas de secret, puisqu'il n'y a rien qui bouge. Okay? Donc on s'amuse à ça, et puis on part de l'autre côté, tranquillement. On s'amuse à ça. Et puis quand vous en avez envie, votre main droite, elle s'agrandit tranquillement, avec le bassin qui ne bouge pas. La main gauche peut prendre le même mouvement, mais avec exactement la même sensation, c'est-à-dire elle a tourné ici, elle a tourné ici, celle la tourne ici, donc là je suis bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Okay. On joue à ça, hop, hop, et mon cercle tranquille, et mon cercle tranquille, cercle, 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 et je me rajoute du bassin si je veux, hop, hop. Hop, 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 vous jouez à ça tranquillou. Aiguille d'une montre, sans se poser des aiguilles d'une montre, je vous laisse 1 minute, 2 minutes, vraiment essayer de sentir ces choses-là. Moi, je règle ma problématique étude.
pas grave. Et on joue à ça. On joue à ça, tranquillou. Mais pour l'instant, le bras est bien horizontal. Hein, je suis bien en train de faire des mouvements horizontaux par rapport au sol ici. Okay, en revanche, sentez bien ce qui se passe au niveau du coude, au niveau de l'épaule et à un certain moment donné, au niveau du bassin qui va vouloir venir tourner. Okay, évidemment, pour le moment, je ne fais pas de choses qui ne soient pas symétriques. C'est-à-dire que lorsque je bouge la main droite, je ne bouge pas la main gauche. Donc si j'ai un grand mouvement ici, ma main gauche, elle va suivre le mouvement de mon bassin. Okay. Celle-là va bouger, là mon bassin va bouger, la main gauche va suivre le mouvement du bassin. Okay. Donc vous allez avoir le sentiment que, ça devient compliqué maintenant, le sentiment que ici, c'est ma main droite qui fait son cercle, et parce qu'elle fait un grand cercle, le bassin est obligé de bouger. Et parce que le bassin fait bouger ma main gauche qui, elle, ne bouge pas par rapport au bassin. Logique. Hop, 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 j'agrandis, hop, je ramène, j'agrandis, hop, je ramène. Donc, j'ai mon bassin qui bouge parce que ma main droite bouge. Ma main droite, elle vient tirer sur les muscles de mon dos. Je ne veux pas que ça tire, donc je libère le bassin. Et le mouvement de mon bassin fait bouger mon bras gauche parce que mon bras gauche, il est solidaire de mon bassin. Ça roule. Hop, hop. Et pareil de l'autre côté. Hop, 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 hop. Vous sentez bien, il y a les deux bras qui bougent, certes. Il y en a un que je fais bouger volontairement parce que c'est moi qui dis à ma main gauche là de bouger, mais ma main droite, elle bouge involontairement, simplement parce qu'elle est accrochée à mon épaule, à mon coude, et que mon bassin bouge. Boum, 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 boum. Et vous lâchez, hein? Tranquille. Un. 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 Laissez faire. Boum, laissez faire. Boum, laissez faire. Boum, laissez faire. Boum, laissez faire. Et on ramène tranquille. Bien, 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 bien. On reste, s'il vous plaît, toujours sur nos notions de bassin. Cette fois-ci, je vais m'amuser avec une jambe devant l'autre. Donc, je vais mettre ma jambe gauche devant. Pour commencer, je m'en fiche un peu. Pas gênant. Ma jambe gauche devant, tranquillement ici. Et de la même façon, je pose mes mains à peu près au niveau de mon nombril ici. Et je m'amuse à ne pas bouger ma tête et faire bouger mon bassin. Ma tête, elle ne bouge pas, mon bassin tourne. Donc là, je fais du hula hop, bizarrement sans bouger mes mains. Okay. Vous voyez que ma colonne est en train de tourner en tous les sens. Pas ce que je préfère, mais bon, c'est juste 2-3 secondes. Hop, et je reviens et je pars dans l'autre sens. Hop, 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 c'est juste pour sentir. Et maintenant, je me fais le même travail, mais je ne veux plus que mon bassin bascule dans tous les sens, je veux juste qu'il tourne. Et là, ma tête suit. Donc, mon bassin fait des cercles et ma tête suit parce qu'elle est posée sur ma colonne et que ma colonne reste droite sur mon bassin. Je pars à gauche, je pars à droite, je pars devant, je pars derrière. Donc j'ai des sensations différentes sur mes pieds. Je suis parfois un peu plus sur l'avant, parfois un peu plus sur l'arrière, tranquillement. Et je fais mon mouvement. Et mes mains, évidemment, font le mouvement. Alors est-ce que c'est vraiment un cercle ou pas? Ouais, bon, c'est un cercle un peu bâtard, une ellipse. Bon, vous voyez l'idée, quoi. Et on joue tranquillement à ça. Pour l'instant, le bassin reste de face, hein, par rapport à vous. Mon bassin reste de face. Je ne suis pas en train de bouger le bassin. Comme je ne bouge pas les bras, je n'ai pas besoin, a priori, en termes de tension musculaire, de bouger mon bassin. Je veux pas le faire tourner ni à droite ni à gauche. Il est juste en train de faire des cercles. Ok, ça roule. Et on se fait la même chose avec la jambe droite devant. Pour l'instant, les mains ne bougent pas. On se fait juste le petit test avec la tête qui ne bouge pas. La tête ne bouge pas, le bassin bouge, bah donc ça va donner un truc bizarroïde. Hop là, oh, ouf. Ok, voilà, ça, bon.
Enfin, bizarroïdes, c'est intéressant, hein. C'est pas mauvais pour le corps si on ne fait pas trop comme des brutes, quoi. Mais là, on sent que le bassin roule dans tous les sens, la colonne se plie dans tous les sens. Et je fais le même travail, mais cette fois-ci, ma tête est libre de bouger. Et comme elle est libre de bouger, je n'ai pas besoin de tourner ma colonne dans tous les sens. En revanche, je vais changer la pression sur mes pieds petit à petit. Et c'est difficile, hein, de faire des grands mouvements là, d'aller grand à droite, grand à gauche, grand devant, grand à droite. Ce n'est pas évident. Surtout sans faire bouger les mains. Donc le fait de ne pas bouger les mains, c'est vraiment comme cette notion de Sanchin, hein. C'est ça qu'on cherche, hein, savoir une structure de haut de corps. Donc en faisant ça, je travaille mon Sanchin. Je travaille cette perception-là. Comment mon dos est relâché, comment il tient mon corps. Hop. Hop. Et le bassin, pareil, hein, il reste de face par rapport à votre écran. Enfin, je ne sais pas si vous êtes face à l'écran, mais en gros, mon bassin reste de face par rapport à ma caméra. Ici. Pour l'instant. Bien. On poursuit ou on va se coucher? On va se coucher. On poursuit. On poursuit. Jambe gauche, devant. Exactement le même procédé que tout à l'heure. Je vais travailler uniquement sur mon bras droit, par exemple ici. Je fais mon petit mouvement de bassin circulaire, circulaire, circulaire. Et à un moment donné, j'arrête de bouger le bassin et je fais un mouvement circulaire avec ma main. Ouais, c'est un peu grand, ça. Vous voyez l'idée? Et je reprends et je repars sur le bassin. Et j'arrête et je continue. Voilà. Et je sens tranquillement. Et j'arrête. Et je change de jambe. Jambe droite devant, je travaille bras gauche. Ici. Mon mouvement de bassin avec mes deux mains. Hop là, la tête qui suit, la colonne qui suit. Pas facile, mais on essaye. Hop, donc le poids sur les pieds qui change beaucoup. Les genoux peuvent bouger, je m'en fous complètement, au contraire. Et puis à un moment donné, j'arrête le mouvement et je fais que bouger que mon bras gauche. Dans le sens qu'avait mon bassin. Pour l'instant, j'étais dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre, me semble-t-il. Bon. Tranquille. Le dos reste droit, le menton bien rentré, ça qui va accrocher votre dos. Les anciens, pensez à votre périnée, le coccyx remonte, je suis bien stable, bien accroché et ça bouge tranquillement. Hop. Et je pars pour l'instant sur des cercles qui soient tels que je n'ai pas besoin de bouger mon bassin. Pas besoin de bouger mon bassin. Okay. C'est-à-dire que mon mouvement de coude n'est pas assez ample pour venir commencer à tirer sur les muscles de mon dos, ce qui m'obligerait, si je ne veux pas avoir de tension, à libérer mon bassin. Okay. Pour l'instant, je travaille sous la tension et je n'ai pas de mouvement particulier à faire, donc au niveau du bas du corps. Ça marche. On se fait le côté droit, mouvement dans l'autre sens, avec les mêmes principes. Vous avez compris le truc de toute façon. Hop, ici, je pense que j'étais en train de tourner dans ce sens-là, donc je vais faire l'inverse. Hop, hop, et à un moment donné, j'arrête et je laisse tourner ici. Et de temps en temps, je vais changer de sens et donc je vais tourner ici. Et je m'amuse à ça, ce sens-là. Hop, ce sens-là. De temps en temps, je rebloque tout et je laisse bouger le bassin. De temps en temps, je libère. Je bloque. Je libère. Je bloque, je libère, je bloque, je libère, je libère, je bloque, je pars dans l'autre sens, hop, 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 je libère, je bloque. Quand je dis je bloque, c'est je bloque mes mains. C'est pas le bassin, au contraire, le bassin est tout le temps en mouvement. Je libère.
Ok, donc là j'ai un petit peu agrandi mes cercles de mains et surtout j'ai fait dans un sens et j'ai fait dans l'autre. Ok, donc on va faire pareil du côté gauche, dans un sens et dans l'autre avec des mouvements avec une amplitude un peu plus grande au niveau de mes bras, mais toujours pareil sans solliciter mon bassin, c'est-à-dire sans faire des mouvements trop grands qui m'obligent à devoir libérer mon bassin. On est parti. Hop là, j'accroche, je pars. Allez, sens. Ouais, bon. Hop. Hop, ouf. Oh, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Ce côté-là est plus dur. Sans trop bouger les mains. Ça bouge grave, mais c'est pas grave, on s'en fiche, on cherche des choses. Et à un moment donné, j'arrête et je libère. Tranquille, 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 tranquille. Et je repasse. Hop, ça devient fluide. Pensez au périnée, les anciens, pensez à la croche de la nuque et on libère. Hop là, hop, 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 hop. Et je raccroche et je pars dans l'autre sens. Ouche, ouche. C'est plus facile ce sens. Hop. Et je libère. Hop. Hop, hop, et j'accroche. Ouh là là là. Et je libère. Hop, 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 et j'accroche. Et je libère. Et j'accroche. Et je libère. Hop, putain, sans bouger le bassin. Et j'accroche, ça va. Je ne sais pas si vous avez le sentiment aussi, mais que quand on accélère un peu le mouvement du bras, on a envie que le bassin bouge aussi avec le corps. Je ne sais pas si vous avez senti ça. Je sens quand je suis ici que je me dis que voilà, je ne bouge pas le bassin, mais j'ai fait quelques mouvements de bassin auparavant. Je ne veux plus bouger maintenant, mais que je bouge mon bras. Et je sens que mon bassin a encore envie de bouger avec mon bras. Je ne sais pas si vous avez ressenti cette chose-là. C'est-à-dire que j'ai envie en fait de bouger les deux ensemble, même quand je fais des cercles plus grands. Si vous avez ressenti ça, tant mieux, parce qu'on va travailler ça maintenant. Donc, on est sur les mêmes mouvements, mais cette fois-ci, je me laisse complètement aller. Et si je vois que mon bassin commence à être en mouvement circulaire, quand mon bras s'ouvre, je le laisse faire, je le laisse faire, je le laisse faire. Mais encore une fois, je ne vais pas jusqu'à ce que mon bassin soit en rotation. Okay? Donc, je ne vais pas faire un énorme mouvement de bras qui va m'obliger à tourner mon bassin. Mon bassin, il va être en circulaire ici. Ça, oui. Mais je ne veux pas qu'il bascule ni là, ni là pour le moment. D'accord? En revanche, n'hésitez pas, quand vous le sentez, libérez le corps complètement. Libérez le corps. Si je suis ici, j'ai mes deux mains. Je bouge le bassin, je bouge les bras. Et je peux avoir envie à un moment donné, quand je commence à faire un mouvement ici, de continuer mon mouvement de bassin. De continuer ce truc-là. Je sais pas, ça vient, ça bouge. Ça bouge. Donc je laisse faire, pardon. Pardon. Et je repars, ça arrête. Et j'agrandis. Et je reviens. Et j'agrandis. Et je pars de l'autre sens. Et j'agrandis. Et je continue mon mouvement. Et j'arrête et je continue le mouvement. Ok? Tranquillement. Je peux faire l'autre bras. Et là, mon mouvement se continue. Je pars dans l'autre sens. Hop. Hop. Je fais l'autre sens avec l'autre bras. Hop. 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 Donc le corps va vers l'avant, va vers l'arrière en même temps qu'il est en train de mettre en légère rotation de bassin. Boum. Boum. Et je repars sur les deux. Et je marche et je continue le mouvement. Et je recule et je continue le mouvement. Et je recule et je continue le mouvement. Mon bassin qui bouge, mes bras qui suivent. Et j'avance et je continue. Et j'avance et je continue. Et je recule et je continue. Ouf! Et je m'amuse, j'avance, je continue, je lâche grand. Et je recule, tranquille. Et je continue à bouger. Cool, cool. Ok, donc je suis là.
J'avance, remonte, j'avance, grand mouvement de bras, je reprends ma structure et je continue à bouger. C'est OK, je remonte une toute petite fois, on reste vraiment sur ce truc très simple pour le moment. Sinon, je viens compenser, je vais aller trop vite. Là, tout doux ici, j'avance ma jambe droite. Et au moment où j'avance ma jambe droite, je libère mon bras et je reviens, là, ça n'a pas arrêté de bouger. Là, je fais pareil avec mon bras gauche, j'avance ma jambe gauche. Au moment où j'avance ma jambe gauche, hop, grand mouvement. Et je continue, là, ça n'arrête pas de bouger. Et je vais reculer si je veux. Hop, je recule, je garde la même structure. Et je continue, grand mouvement si je veux. Je bouge, j'avance, hop, je ramène, je bouge, je recule, j'avance, je ramène. Pour l'instant, restons sur un pas. Je le répète, je me fais entraîner par mon envie. Pour l'instant, on reste simple. On se fait de la façon suivante. Ici, la main droite dans le mouvement inverse des aiguilles d'une montre. Ici, et j'avance ma jambe droite. J'avance ma jambe droite, le bras bouge en même temps et je me retrouve ici. Et je m'arrête quand je veux avec mon mouvement de corps, mon sentiment de bassin qui bouge. Ça va? Et une fois que je suis là, on va se faire le même travail, mais je vais retourner cette fois-ci dans le mouvement des aiguilles d'une montre pour avancer ma jambe gauche. Mon bras se libère, avance, ma jambe avance et je repars. Tranquille ici. OK. Je vais reculer ma jambe gauche. C'est mon bras droit qui va venir bouger. Hop. Et je reprends le mouvement. Je recule ma jambe droite. C'est mon bras gauche qui va venir bouger. Hop. Mais je garde les mouvements de bras correspondants au mouvement de mes jambes. Je ne mélange pas. Mes bras font tout le temps, mon bassin fait tout le temps la même chose. Hein. Okay? Je suis tout le temps ici avec mon bassin. Donc quand j'avance la jambe droite, ça donne ça. Quand j'avance la jambe gauche, ça donne ça. Quand je recule la jambe gauche, ça donne ça. Quand je recule la jambe droite, ça donne ça. Ça va? Vous êtes vivant. Bon, on poursuit. On se fait la chose suivante. Tout doucement. Jambes gauche devant. Mes deux mains positionnées. Cette fois-ci, j'ai mon petit mouvement. Et je vais rajouter un grand mouvement de bras droit. Sens des aiguilles d'une montre, de manière à ce que je sente que le bassin a besoin de tourner pour revenir ici. Okay. Donc là, je fais un grand mouvement, de manière à ce que je sente que mon bassin a besoin de tourner avant de revenir ici. Donc quand mon bras revient, mon bassin suit le bras. Okay. Donc j'ai le mouvement à la fois circulaire et je rajoute de la rotation parce que mon bras droit revient en rotation. Hop. Hop, hop. Bon, sentez bien cette ouverture de bassin. Ouh, ça bouge, ça bouge, ça bouge. La main s'ouvre, le bassin a envie de suivre et ça referme tranquillement. Bassin a envie de suivre, je le laisse suivre et ça referme tranquillement. Le bassin a envie de suivre, je le laisse suivre et ça referme tranquille. Ça roule. Même chose avec la jambe droite devant, on est dans le même mouvement, c'est-à-dire une ouverture de bassin pour le moment, on fera la fermeture après. Pour l'instant, je suis sur une ouverture, donc je suis ici tranquillement. Je bouge, là, ma tête aussi, il faut qu'elle bouge. Et de temps en temps, je pars sur un grand mouvement de bras, mon bassin a envie de s'ouvrir et je reviens sur mon cercle. Et je continue à bouger. Un, et je continue à bouger. Deux, grand mouvement, je continue à bouger. Trois, grand mouvement, je continue à bouger. Quatre, grand mouvement, je continue à bouger. Cinq, grand mouvement, et ça continue à bouger. Et on ramène tranquillement, étire un petit peu.
Bon, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Progressivement. On reste sur le même principe. On a senti que quand on est ici, là, ma main droite, lorsque j'ouvre beaucoup, mon bassin tourne. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est une sensation un peu différente. Je reste sur mon idée ici de mouvement circulaire de mon bassin et de temps en temps, sans bouger ma main droite particulièrement, je ne vais pas la solliciter, mais je vais ouvrir le bassin. Voyez ce que je veux dire? La sensation que j'avais ici avec le bassin qui s'ouvre au moment où je reviens, je veux la retrouver ici, je bouge tranquillement. Et tout d'un coup, je dis, j'ouvre mon bassin. Et je continue. J'ouvre le bassin. Et je continue. J'ouvre. 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 Oups. Ouvre. 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 OK. Donc, ce qu'on sent, ça, ce qu'on devrait sentir, c'est difficile. C'est volontairement que je n'ai pas mis le gi, hein, pour que vous voyez mieux mes membres et voir à quel point je n'arrive pas bien à le faire, mais ce n'est pas gênant. L'idée, c'est la suivante. Quand je suis positionné ici, les mains bougent, je suis tranquille. Pam, pam, pam. Et quand je vais ouvrir le bassin, là, mes coudes ne vont pas bouger. C'est-à-dire, ils vont suivre mon corps. Okay? Et quand mon bassin revient droit, ils reprennent leur position. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas moi cette fois-ci qui vais tirer mon bras. Là, parce que j'ouvre le bassin, que mon épaule est posée sur mon bassin et que mon coude est lié, ma main sont liées à mon épaule, ça va tourner. Pas plus que ça. Et je ne vais pas trop loin, de toute façon, après, je ne suis pas bien. Hein. Donc je m'arrête là, ici. Hop, et je reviens. Donc on joue, tout doucement. Hop, et on revient. Et sentez bien. À la fois ma main droite bouge, ma main gauche bouge aussi puisque le bassin gauche il a avancé aussi. Hop, continue. Hop, je continue. Ouh, je bouge trop, je bouge trop, je bouge trop, je mets trop de bras, je mets trop de bras, je mets trop de bras. Tranquille, tranquille, bibi, tranquille. Hop. Et sentez, hop. Comme c'est agréable, hop. Et on garde toujours les mains horizontales pour l'instant. Hop. Oups, je suis perdu. Hop. 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 Et ça va. Hop. Et ça va. Ça marche? OK. Bon, on se fait la même chose avec la jambe droite devant. Donc, je répète ce que je cherche. Le principe que je veux chercher, c'est. Tout à l'heure, j'ai eu le sentiment, en bougeant tranquillement ici, que lorsque j'ouvrais grand mon bras vers l'arrière, mon bassin venait s'ouvrir ici. Tourner. Maintenant, ce que je veux, c'est bouger tranquillement ici, laisser le bassin s'ouvrir. C'est moi qui lui demande de s'ouvrir, et donc mes bras vont suivre et ils vont venir. Suivre, venir, suivre, venir. Et c'est lâché. Donc ça bouge, hop, hop, et quand j'en ai envie, j'ouvre. Et je reviens. On dit, j'ouvre. Et je reviens. On dit, j'ouvre. Et je reviens. Ouvre. Et je reviens. Ouvre. Et je reviens. Ouvre. Et je reviens. Ouvre. Ouh. Ouh.
Ça va? Bien. On fait la même chose. Cette fois-ci, on va s'intéresser à l'autre bras. Donc, je pars sur ma jambe gauche devant. Et cette fois-ci, c'est mon bras gauche que je vais faire tourner. Je m'explique. Jambe gauche devant, bras droit ici. Je bouge. Et je fais bouger le bras droit. De fait, vous vous rendez compte que si je l'amène trop loin derrière, ici, je ne vais pas être bien du tout. Donc ce bras ici, il aura tendance à faire des cercles grands vers l'avant. Grand vers l'avant. Grand vers l'avant. Mais pareil, je continue avec mon ouverture de bassin au moment où j'initie mon mouvement de bras. Pardon. 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 Ça marche? Donc je reprends tranquillement parce que là, je vais trop vite. Le fait de me regarder, en fait, c'est perturbant par rapport à ce que je fais. Donc, j'ai du mal à dissocier les deux choses. Je reprends tout. Oublions tout ce que j'ai dit. Je vais laisser mon bassin s'ouvrir sur la droite. Donc, mes bras vont venir tourner. Ce bras gauche vient tourner. Et ce bras gauche, je le laisse suivre son mouvement. Et il revient. Ça marche? Il suit son mouvement ici. Et il revient. Tourne. Il suit le mouvement. Et il revient. Tourne, il suit le mouvement et il revient à sa place. Ouvre, tourne, suit le mouvement, revient à sa place. Ça va, c'est plus clair comme ça, peut-être, je pense. Donc, on repasse. Là, je bouge, bassin et bras. Et tout d'un coup, j'ouvre le bassin et je travaille avec mon bras gauche. J'imagine le mouvement de mon bras gauche auquel je vais faire un cercle un peu plus grand. Un peu plus grand et je reviens. Un peu plus grand et je reviens. Okay, mais c'est bien mon bassin qui fait bouger ici. Bouger mes bras. Bouge. Ouverture et ça revient. Ouverture et ça revient. Ouverture et ça revient. Tranquillement. Okay. Et maintenant, une fois que je suis ici, je m'amuse avec les deux bras. Je me dis que de temps en temps, ça va être mon bassin qui va s'ouvrir ici, mon bras droit qui va revenir. Et de temps en temps, ça va être mon bassin ici, même façon, mais c'est mon bras gauche qui va travailler. Ça va? Donc on continue le bassin. Un petit mouvement circulaire. Et tout de suite, je mets une rotation de bassin, travail, bras droit. Et rotation de bassin, travail, bras gauche. Et vous jouez à ça. 1, 2, 3, 4, 5. Excusez-moi, de temps en temps, je monte mes bras. Pour l'instant, on les garde bien à l'horizontale. 6, 7, 8, 9. Ça roule. Bien. Pareil avec la jambe droite devant, s'il vous plaît. Même principe, tranquillement ici. Je vais faire mon petit mouvement, doucement. Même si c'est pas beau, même si c'est pas parfait, on s'en fiche. Je veux juste que vous sentiez que le corps est en mouvement tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, et je vais faire ma petite ouverture de bassin comme quand je tirais mon bras vers l'arrière, sauf que là c'est mon bassin qui va venir faire le mouvement tranquillement, et ça s'ouvre et mon bras revient. Hop, bouge, le bassin s'ouvre, le corps suit, le bras revient. Hop, boum, boum, j'ouvre, le bras revient. Boum, boum, j'ouvre, le bras revient. Et vous voyez que le bras droit bouge aussi, hein. Le bras droit bouge aussi parce qu'il suit le bassin. Hop, simplement je donne une plus grande amplitude à mon bras gauche. Hop, hop, ok, une fois que j'ai ça, je fais le même travail avec mon bras droit. C'est-à-dire, j'ouvre le bassin et je donne l'amplitude au bras droit. Hop. Tourne, ramène et repasse. Ouvre et reviens.
Ouvre. Et relève. Ça bouge tout le temps. Il y a du mouvement. Ouvre. Et relève. Ouvre. Et relève. Et on ramène tranquille. Bien. Bien, 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 bien. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On va être sur le principe suivant. Cette fois-ci, je vais travailler avec mes mains qui ne vont pas être enfin, parallèles au sol, mais je vais travailler avec mes mains presque face à vous, tranquillement ici. Je prends garde. Tranquille. OK? Juste là. Tranquille. Tranquille ici. Et je vais m'amuser à faire au niveau des coudes la même sensation que j'avais au niveau des mains. Je m'explique. Je suis posé là. Si je bouge le bassin, ça donne ça. Le bassin, comme on l'a vu tout à l'heure, ça donne ça. OK? Mais de temps en temps, je vais ouvrir mon bassin et fermer. Ouvrir le bassin, mon bras droit bouge et je ferme. Je me concentre sur le bras droit pour l'instant. Boum, ferme. J'ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Vous voyez bien, ce n'est pas mon bras qui bouge, hein. C'est mon corps qui s'ouvre et le bras suit. Hop, et parce que le corps referme, le coude suit. Hein. Tranquille. Bouge, 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 ouverture, fermeture. Normalement, je finissais ici, maintenant je finis en garde. Hein. Doucement, hop, bouge tranquillement. Ouverture bassin, le bras suit, le coude suit, et il reprend sa place. Normalement, il était ici tout à l'heure, maintenant je dormais en garde tranquillement. Ça va? Essayez de travailler ce petit mouvement à votre rythme tout doucement. On se concentre un peu plus sur le bras droit, s'il vous plaît. Le bras gauche va suivre, bien sûr, le mouvement du bassin. Donc, il va suivre ici. Il ne va pas rester devant, je ne vais pas être là. Le bras droit va suivre aussi. Mais je me concentre un peu plus sur mon bras droit. Ouverture bassin, bras droit. Ouverture bassin, bras droit. Ouverture bassin, bras droit. Ouverture bassin, bras droit. Ouverture, bras. Ouverture, fermeture. Oups, ça bouge. Ouh. Ça va? Bien. On reste sur le même mouvement. Cette fois-ci, au lieu de laisser mon bras droit, après son mouvement ici, s'arrêter là, je transforme le mouvement circulaire que j'ai ici avec mon bras droit en quelque chose de linéaire, donc je laisse partir mon bras. Et vous ne pensez pas à Tsuki, vous ne pensez pas à mettre de force. Vous dites juste que ici, il y a votre corps qui est en train de bouger, il bouge, bouge, il bouge. J'y rajoute encore un mouvement avec l'ouverture du bassin et tout ça repart devant et ça ramène tranquille. Okay? Donc je roule là, je suis en train de bouger sur le bassin, sur les pieds. Je rajoute l'ouverture de bassin et je renvoie tout devant. Okay? Donc je prends du cercle, je prends du cercle, j'en fais du linéaire. Je prends du cercle, je prends du cercle et j'en crée du linéaire. Okay? Mais je suis légèrement en garde, donc j'ai un léger blocage ici. 1, 2, tranquillement. 1, 2, tranquille. 1, 2, tranquille, tout doux. 1, 2. En revanche, sentez bien, ce n'est pas votre bras qui va chercher, c'est bien le bassin. Il va s'ouvrir et le bras va monter. Hop, 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 tranquillement. Hop, 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 hop. Faites ça souple, hein, tout doux. Hop, 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 hop. Tranquillou, tranquillou, tranquillou. Et petit à petit, hein, on arrive à ce que je disais hier soir. Hein.
Mais on va pas. Enfin, l'idée, ce n'est pas de faire ce que Tessène fait hier soir, c'est juste de voir comment on prépare cette sensation-là pour pas se planter. Enfin, l'idée, elle est vraiment simple, hein, sur ce type de mouvement. C'est là. Ça part. Boum, ça ne s'arrête pas. Boum, il part. Bassin. Part. Bassin. Part. Bassin. Part. Bassin. Part. Ça va. Bassin. Part. Bassin. Part. Bassin. Part. Bassin. Part. Donc, il n'y a pas d'arrêt, mais c'est vraiment ce mouvement de corps tout le temps qui fait le travail. C'est ça qui nous intéresse. On se fait l'autre bras, si vous voulez bien. Donc, jambe droite devant. Bon, pareil. Cette fois-ci, on n'est plus avec les mains ici. Après, j'ai légèrement un petit peu ouvert là. Je suis bien. Main devant. Et je fais le même travail. Je bouge. Je bouge. Je sens mes coudes qui bougent. J'ouvre légèrement le bassin. Et je ferme. Et je reviens. Ouvre légèrement le bassin, le coude a bougé et je reviens. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Hop, hop. Voilà. Donc, jouez à ça, et quand vous le sentez, petit à petit, bah, vous accélérez un petit peu, vous laissez partir le bras un peu plus comme une forme de tsuki ou de. J'ai oublié, on s'en fiche. Mais amusez-vous. Tranquille et lâchez bien le corps. Pas la peine d'aller vite et fort, hein. Simplement libérer le corps, laisser partir. Et si jamais ça accélère, ça accélérera. Si ça n'accélère pas, aucun souci. Aucun souci. Mais perdez pas l'idée. Même si je ne suis pas en train de bouger mon bassin ici, dedans ça bouge toujours. Hein. Ça bouge toujours. Et tout le temps en train de bouger. Tout le temps en train de bouger. Hop, hop. Tout le temps en train de bouger. Hop, hop. Hop, hop. Et ça part. Hop, hop. Et ça part. Hop. Et ça part. Bassin. Hop, hop. 1, 2. 1, 2. Tranquille. Hop, hop. Hop, hop. Tranquille. Hop, hop. Tranquille. Cours. 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 Tranquillou, tranquillou, on enchaîne. Donc je répète, hein, c'est pas du tout l'idée de faire travailler vite, travailler fort, tout ça. Non, c'est juste s'amuser à ce que le corps ressorte un mouvement comme ça, sans se prendre le chou et sans crispation du tout. Sachant que de fait, vous avez bien vu, hein, là. Ici, ce travail d'ouverture-là, là, c'est un blocage. Hein. Donc, ça bloque et ça lâche. Ça bloque, ça lâche. Ça bloque, ça lâche. Mais le bras ne s'arrête pas sur le blocage. Hop. Hop. Je n'ai pas besoin de m'arrêter sur un blocage. Jamais. Hop. Hop. Je suis stabilisé ici. Boum. J'ai assez de force ici. Donc là, je suis sur l'extérieur et je reviens tranquillement. Et quand je reviens, vous remarquerez que je commence à partir par en dessous. Ici. Hop. 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 Hop, hop. Naturellement, parce que le mouvement est là, quand je reviens, ça remonte. Mon coude suit un peu vers le haut. Donc là, je passe légèrement par en dessous. Je ne sais pas si vous sentez ça, mais si vous ne le sentez pas, ce n'est pas grave. Prenez pas la tête, frappez droit devant, puis ça suffit. L'inverse. L'inverse. Là, on était sur cette idée de. Pardon. De. 1. Okay. J'ouvrais ici. J'ouvrais ici. Et ici, et ici. Cette fois-ci, j'ai travaillé avec ce bras-là, mon bras gauche. Donc, pareil, je vais créer mon ouverture de bassin. Mon bras gauche, ici, il suit. Et quand mon bassin revient, le bras gauche, il va repartir. Et quand mon bassin retourne, le bras gauche va venir. Ça marche. On y va tout doucement. Donc là, j'y vais vraiment tout doux.
On rajoutera les déplacements, enfin la sensation de corps un peu plus tard, mais c'est un peu compliqué. Juste ici. Donc, ouverture. Ouverture de mon bassin. Fais bouger mon bras gauche. Là, je réalise mon blocage. Je suis en train de bloquer ici. Hop. Hop. Je repars avec le bassin. Mon bras ici rebouge. Et de là, je redonne du bassin et mon bras. Donc, repars devant. Et je ramène tranquillement. Ça va? Donc là, je vais être sur ouverture, fermeture, ouverture de bassin. Ouverture, fermeture, ouverture. Ouverture, fermeture, ouverture. Ça va? Et là, inversement, vous allez avoir le sentiment, je pense, enfin, vous pouvez, quand je suis ici, ouverture. Quand je ferme ici, vous voyez, mon coude a tendance à monter. Hop. Hop. Et là, je garde l'épaule relativement basse, mais je passe légèrement vers le dessus. Là, un. Le mouvement logique d'articulation, ça va être ça. Un, deux. Tourne, 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 tourne. Donc, légèrement du haut vers le bas, très léger, mais sans trop monter l'épaule. Là, un, deux, l'épaule peut rester en bas, coude va monter, et là, ça va pas. Vous voyez l'idée? C'est un peu les trois tsuki que faisait Sensei à la fin de son cours. Hein. Par en dessous, direct, par au-dessus. C'est ce principe-là. Mais amusons-nous pour l'instant, nous, avec le mouvement simple ici. Donc, je repars, tout doux ici. Un, j'ai bloqué, bloqué avec mon corps. Bloque avec mon corps, le bras suit et ça repart. Un, boum. Deux, boum. Trois, boum. Mettez pas de force. Quatre, boum. Cinq, boum. Servez-vous du corps. Six, boum. Sept, boum. Huit, boum. Pas de tension. Neuf, que le bassin qui bouge. Dix, boum. Itch. Ni. Cent. Chi, go, block, sitch, hatch, go, chou, et ça ramène tranquille. Même chose avec la jambe droite devant, donc même principe. Hein. On est avec un blocage avec la main droite, une frappe avec la main droite tranquillement ici. Donc je suis plus avec mes mains là, hein. Je suis plus là, je suis vraiment avec ma garde devant, tranquille. Le bassin là, il va s'ouvrir. Parce qu'il s'ouvre, mon bras tombe et suit. Un, le bassin referme, le bras suit. Deux, et quand le bassin referme, mon coude suit. Bam, et ça repart tranquillement. On est là. Un, deux, et je laisse partir. Un, deux, et je laisse partir. Un, deux, boum, ça part. Un, deux, je laisse partir. Un, deux, je laisse partir. Un, deux. Mettez pas de force, hein, juste sentez. Tournez, 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 tournez. Tourne, 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 hop, tourne, hop, tourne, hop, tourne, hop, tourne. Ferme, ouvre, tourne, ferme, ouvre, tourne, ferme, ouvre, tourne, ferme, ouvre, tourne, ferme, ouvre. Ça va, et on se le fait 10 fois tranquille. Ichi, ni, san, chi, go, boku, zichi, achi, ku. Et on ramène tranquillou. Ok, allez, pour terminer, on se fait jambe gauche devant, travail bras droit et travail bras gauche. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Pareil, hein, bien décontracté, bien lâché, on ne cherche pas la force, on cherche juste à bouger, tranquillement bouger. Et je pars un peu jambe gauche devant, j'ai ma garde. Un, deux, je reprends ma garde. Un,
Deux. Je reprends. Et je bouge tranquille. Ouverture. Un. Deux. Ouverture, mais ça bloque ici. Fermeture, ouverture, on passe dessus. Ok, juste ça. Tranquille. Un. Deux. 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 Ok? Sachant qu'une fois qu'on est là, on peut s'amuser avec les deux, hein. C'est-à-dire que je peux travailler ici. Fermeture 1, 2. Fermeture 1, 2. Fermeture, ça bloque ici, celui-là. Bloque, hop, et ça repart. Et inversement, je peux travailler en tournant ici. Ouh! Et là, je pars en dessous. Donc, 1, 2, 1, 2. Le bassin va bouger dans l'autre sens. Tout à l'heure, j'étais en ouverture dans ce sens-là. Maintenant, je vais penser plutôt à une fermeture ici. Tournez ici. Tournez ici. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si je fais main gauche, ça va être l'inverse. Je vais être lâché, tourne. 1, 2, 1, coude vers le bas, montez. 1, 1, 2. Mais toujours le corps. 1, 2, bassin, pas, corps. Corps. Et intérieur si je veux, et extérieur si je veux, et extérieur si je veux, et intérieur si je veux. Okay? Donc je vais à ces quatre techniques maintenant. Quatre techniques. Je remontre. Je vais essayer d'être clair. Je pars avec une jambe gauche, mais on peut partir ici, c'est pas gênant. Mais partons avec la jambe gauche. Allez, mais en revanche, pensez bien à cette histoire de bassin et de corps qui bouge avec le bassin. Ok, le plus simple, bras arrière, ici en garde. Je bloque, j'ouvre le bassin et je frappe en dessous et je reprends la garde. Deuxième, bras gauche, tourne le bassin, hop, ramène le bassin, ouvre le bassin et je frappe par au-dessus. Troisième, tourne le bassin dans l'autre sens, j'ai ma garde, c'est mon bras droit qui bloque, il suit et il repart directement au-dessus. Et on se fait quatrième, ça va être le bassin qui s'ouvre. Mais cette fois-ci, je vais avoir mon bras droit ici, mon bassin qui se referme et je frappe par en dessous. Ça roule. Donc, on s'enchaîne les quatre tranquillement. On essaye. Ceux qui n'arrivent pas, ben, ce n'est pas grave. Hein. Faites sous qui de base, on s'en fout complètement. On est là pour rigoler. On est parti. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je fais intérieur. Intérieur, extérieur, extérieur. Okay? Juste pour ceux qui veulent suivre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va? Vous voyez un peu l'idée? On va s'arrêter là. Je pense que je vous ai bien pris la tête. Des questions pour ce soir ou tout va bien? Vous avez vu l'idée, hein? C'était vraiment d'essayer de comprendre un peu comment Sensei fonctionne dans son travail. Il va vite, hein? Là, ce soir, je voulais qu'on aille très lentement, très lentement, très lentement. Pour analyser tout ça et surtout ne pas oublier ce qu'il dit tout le temps, ne crispez pas, ne mettez pas de force. Je veux dire par là que la force, elle viendra quand le corps sera bien positionné, sera posé, sera bien. N'allez pas trop la chercher, surtout sur ce type de mouvement-là, ça marche pas. Allez la chercher sur du kion basique si vous voulez faire les cons, mais là-dessus, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le corps doit être un fouet là-dessus. Donc on ne peut pas aller chercher de la force. La force, elle est là présente. Mais ce n'est pas votre sensation dans votre corps qui doit vous faire ressentir de la force. Sinon, on est à côté de la plaque, je pense. Bon, je voulais faire plein de choses autres à part ça, mais bon, ben, j'ai pris du temps, comme d'habitude. Des questions? N'hésitez pas, hein.
Je n'ai pas de réponse en même temps, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ok, donc, pom, 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 ben on retrouve plein de choses dans les katas, hein, Saïfa, tout ça, c'est dans tous ces machins-là. Et ça marche, Zubidati. Ah, moi aussi. Mais. Merci tout le monde. Merci Olivier, bonne soirée.